Mon nom est Grégory Doyen. Je suis chef pâtissier. Quand j'étais plus jeune, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé beaucoup. Avec quelques ingrédients, de réaliser quelque chose de magique, à partager, qui plaise à tout le monde. Le premier dessert que j'ai réalisé était sur un magazine auquel j'étais abonné. C'était un gâteau avec au-dessus une poule qui était saupoudrée de sucre glace. C'était un gâteau pour Pâques et je me rappellerai toujours de ce gâteau parce que je pense que c'est ce gâteau qui m'a permis aujourd'hui de styliser la pâtisserie comme je l'aime. Je viens d'une famille d'artistes et je pense que la pâtisserie, la gastronomie étaient vraiment évidentes à mes yeux. Je pense qu'on prend conscience des choses vers l'âge de 15-16 ans. Moi, pour moi, c'était le cas. Qu'à 15-16 ans, je pensais vraiment que ce métier de pâtissier allait devenir ma voie générale pour l'avenir. Cette tarte au citron est un dessert que j'ai créé il y a à peu près 4 ans et demi. J'avais envie de donner à cette pâtisserie une autre esthétique, un autre design. Je ne pouvais pas omettre une technique ou un ingrédient, vraiment garder le respect de la tradition de cette recette. J'aime le côté un petit peu régressif d'un gâteau, mais j'aime aussi le côté très, très explosif. Ce dessert est pour moi quelque chose d'assez maîtrisé et assez abouti. Je dirais plutôt que c'est un produit signature. La chose absolue à l'heure actuelle, la transmission de mon savoir-faire, de mon métier de pâtissier, pour pouvoir apprendre à des jeunes, moins jeunes, tout l'amour que j'ai pour ce métier.